Allez, on se retrouve. Donc Marie est en train de découper de la viande. Bon, elle a fait que découper la viande, donc ça va, elle s'est pas coupée de main apparemment. Ben, c'est intéressant, mais c'est-à-dire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le fumoir. Donc, déjà, il peut faire ça. Pourquoi ils font pas ça? Jusqu'à obtenir. Tente de ressources. Ah! Voilà! Bien! Non, mais quand ils veulent, ils peuvent. Faut qu'ils veulent, quoi. Bien, c'est parti. Ça va fumer. Donc, du coup, ils ont creusé ici. Donc, il y a des tas de terre. Donc, hop, si je fais ça. J'ai pas vu s'ils avaient fait le lit ou s'il y en a encore un qui va dormir par terre. Ah, c'est bon. Le lit est fait. Donc déjà au niveau des lits, on est bien. C'est déjà ça. Alors, jour 5 de l'été. Faire la petite maison, là j'ai envie de faire. Un abri pour les chèvres pour l'hiver. Ouais, je vais quand même mettre une fenêtre. Une argile pour changer. En pierre. Hop. Comme ça. Pas mal, non? Extraction au niveau 14, bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu remplaces comme ça. Est parti faire. Du coup, comme ils sont pas domestiqués, je veux surtout pas les domestiquer parce que sinon on me suit de partout. Ils ne peuvent pas passer les portes, donc il faut pas mettre de porte. Mais je vais quand même mettre un toit, histoire qu'ils soient à l'abri. Alors ça, pour les protéger, c'est pas l'idéal. Toit en bois, c'est le mieux. Il faut que je monte les murs.
Alors, un toit et les animaux seront à l'abri l'hiver. À condition que je démolisse tout ça. J'espère que j'ai bien. Ouais, elles sont contentes. Elles y vont direct, hein. Pourtant, il fait chaud. Ah, mais dans la pierre, on est bien. Voilà. Voilà, super. Je pense qu'elles sont déjà protégées. Ensuite, ça continue de fumer de la viande, c'est bien. Est-ce que je ne l'enverrai pas de nouveau? Chasser du cerf, il a l'air de bien se débrouiller. Il y a des lièvres. Les lièvres, c'est pas dangereux, c'est l'avantage. Oh, du renard. Ça, oui, ils les ont introduits à la dernière mise à jour, c'est les renards. Ça, c'est bien. Non, on avait déjà des renards. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, les chats. C'est les chats. Alors, je sais pas comment ils arrivent, les chats, par contre. Ah, ça c'est une scie, ça c'est une scie. Il y a que des filles en mature, ça m'embête. Beaucoup de jeunes cerfs. Il y a une chèvre qui se balade, mais j'en ai des chèvres. On n'est pas pressé, calme-toi. Je pourrais élever des lièvres. Ça serait pas bête aussi. Mais dans ce cas-là, alors faut que je. Alors ici. Oh, il y a des faisans, j'avais même pas fait gaffe. Ici, on va garder. Que les chèvres. Voilà. Parce que j'ai peur qu'à chaque fois il faut que je fasse une maison, ça va être. On va commencer par faire un enclos. Déjà, ça sera fait. Oui. Comme ça. Où c'est qu'on met les poulets? Ici? Je vais les mettre à côté des chèvres. Hop, on va mettre des poulets là. Pas besoin que ce soit si large que ça. Même si les poulets, leur faut quand même un peu de place. Nickel. Alors les murs, on va faire des murs en calcaire, c'est bien. Une fenêtre, parce que le poulet faut l'aérer. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, la balise. La balise, la balise, la balise. Je crois pas avoir vu de poulet déjà se balader. Je vais quand même attendre. Alors du coup, je peux combler et ça, c'est vachement bien. Ça nous évitera de tomber dans des trous. Voilà, je sais que j'ai pas assez de terre.
Alors, du coup, la terre, je l'ai dit que je la prenais ici. On va faire comme ça, on va la prendre sur les monticules. Hein. Ah, les murs vont bientôt être finis là. Dès que c'est fait, je peux mettre une balise. Et celui-là, non. Ouais, ben, c'est des choses qui arrivent. Ah, il y a les poutres. Ils n'ont pas encore fait les poutres. Et ben, ça, c'est un manque de bois aussi. Petit peu de bois. Le petit renard. Oui, il y a des renards. L'impression qu'ils n'ont pas de pantalon, c'est pas possible. Ben, je sais pas s'ils ont fait des vêtements. Hein. Rien du tout. Ils ont encore rien prévu pour l'hiver. On va être mal, les gars. Hein. Va falloir s'y mettre quand même. Hein. Il n'y a personne qui s'est mis à la confection. Confection. Il n'y a personne qui a confection en premier. Mince, mince, mince. Ah, il me faut d'autres colons. Donnez-moi des colons. Il est fait là, toi? Non. Ah, ça fait du bien de dormir dans un vrai lit, hein, tu m'étonnes. L'âtre est toujours pas fait, il manque quoi? Lingot de fer. Ah, on n'a pas de. J'en ai pas fait de machin pour le faire, pour les lingots. Et nous? Alors? Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Edgy? Ah, pas du tout. Ouais. C'est prendre de la terre, déjà. Ils vont pouvoir remblayer. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, de l'argile, on en a. Hein. Et là, il manque quoi? Ah, je vois pas. Ça, c'est pénible. J'ai tout les murs pour voir vraiment. Il manque un peu de calcaire. Hop. La terre, c'est tout fait. On va reprendre un peu parce qu'il nous en faut plus. Hein. J'ai l'impression de pas être. Si c'est. Hop. Alors. C'est complètement plein. Et ça, c'est quoi? Bonnet. Ben, il y a quand même un bonnet. Trois bonnets. Ouais, ça suffit pas. Hein. On est cinq. Et là, j'avais prévu que quatre en plus. Il y a un bonnet qui traîne par terre. D'accord.
Ça, c'est fait. Mais il faut des lingots de fer. 10, ouais. C'est quoi ça qui traîne par terre? Un jeune chêne, d'accord. Et le pommier? Pousse tout doucement. C'est moi ou c'est quoi ça, le petit arbre à côté? Alors j'ai planté un pommier. Et je me retrouve avec trois pommiers. Le pommier s'étend. Bah, fallait le savoir. Il faut amener du fer là, les gars. Ce serait une bonne chose. Ben ça, c'est complètement fermé. Donc, je peux mettre la balise pour quand il y aura des poulets. Même si pour l'instant, on n'en a pas. Il faut que j'attende qu'il la construise. Mais c'est moi, il n'est pas fini le mur. S'il est fini, alors pourquoi il a... Ah, c'est une fenêtre, je suis bête. Sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose. Allez, venez me construire ça, s'il vous plaît. Y a du lin qui pousse dedans, on va pas y laisser. S'il vous plaît, vous avancez un petit peu. Oh là là. Oh là là, et Marie qui se remet à la découpe de la viande. Bon, tant qu'elle se coupe pas de main, ça va. Ça gicle quand même bien. Toujours pas de nouveaux colons. Je sais pas du tout ce qui déclenche la venue de nouveaux colons. Peut-être que je me renseigne là-dessus, ça serait bien, parce que... Non. Et ça, pourquoi ils ne viennent pas construire ça? Qu'est-ce qui manque? Du bois. Ah, toujours le bois. C'est terrible. Le bois, il n'y en a jamais assez. Hein. Venez me couper ces trois arbres. Ils font quoi là tous? Extraction, creusage, obtention de ressources, confection, c'est bien. Normalement, ils devraient être contents, ils ont à manger. Ça, c'est poste de fermentation. Ouais, bah. Pas assez de lait. C'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de lait. Animaux domestiques, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle. Ouais, donc ils peuvent faire des bébés, quoi. Coupe. C'est toujours Marie qui va couper les arbres. Hein. C'est rigolo quand même. C'est une bûcheronne. Allez, on a du bois.
Ce qui... Voilà, bien. Donc, ici, non, on va pas me... On peut lever. Pour l'instant, on va rien mettre. On verra bien ce qu'ils nous donneront en animaux en premier. J'ai pas vu de vaches apparaître. Ce qui me semble que c'était les vaches qui arrivaient en deuxième position. Y a plus de terre d'avance, hein. J'ai tout dû mettre dans le trou. Alors, dès que je change d'angle de vue, je suis perdu. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont quand même bien rebouché. Alors, oui, 23 h, faut aller au dodo. Et sur ce dodo, eh ben moi je vous dis à bientôt au prochain épisode. Des bisous.